C'est bon? Ouais. Allez, je coupe mon téléphone parce que je l'avais pas fait tout à l'heure. Ah bah ouais. Bon, bah on dit quand même bonjour aux gens. Le téléphone, hein. Ouais. Bonjour. Bonjour messieurs, dames. Est-ce qu'on gardera cette intro? Ça sera la magie du spectacle. Nous le verrons tout à l'heure sur la diffusion. Bon, bienvenue à tous, une fois de plus pour ce live sur le plateau d'Alidia, en partenariat avec Atelier 58. On a le plaisir d'accueillir trois jeunes hommes. Trois hommes, quoi. Trois hommes, ouais. J'attendais de me faire reprendre. Le JP's, composé de Hervé Leger, qui sera à la guitare, Jean Anla à la batterie, et Sanseverino à la guitare et au chant. Est-ce que quelqu'un peut me dire rapidement ce qu'est le JP's? Qui veut ce qui parle? Ah bah c'est Steph qui a le micro. Très rapidement, le JP's c'est un groupe qu'on a formé pour faire des impros. Ouais. Là on va jouer un set qu'on c'est pas grand chose de ce qui va se passer. C'est un morceau. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que il y a des paroles qui sont écrites mais on sait pas sur quelle musique elles vont aller, donc on va décider ça tout à l'heure. On a appelé le JP's parce que comme on n'a pas de bassiste dans notre groupe. Ah mais tu m'as enlevé la question. Ah mais excuse-moi, mais est-ce que je sais que tu voulais me la poser. Ça s'appelle le JP's. Je me rappelle plus, c'est parce que donc il n'y a pas de bassiste parmi nous, on n'a pas pris de bassiste, donc on a donné le nom d'un copain à nous qui est bassiste, ça remplace un peu en fait si tu veux. C'est une présence solennelle quoi. Voilà, c'est un copain à nous qui s'appelle JP Cremonini, qu'on salue comme ça de loin ici, et qui n'est pas là, parce qu'on n'a carrément pas convié, et en son honneur on a appelé le groupe comme son nom. Qu'est-ce que c'est compréhensible ce que je viens de dire? Oui. Je fais bien le oui ou pas? Très bien. Alors, on peut les suivre sur Internet. On peut retrouver, il y a un reportage qui est super sur vous, un film. Enfin, oui, c'est un film qui a été fait sur l'enregistrement de notre album qu'on a fait il y a un petit peu plus d'un an. D'accord. Ça fait deux ans déjà. Oui, ça fait deux ans. D'accord. Janvier 2019, tourné par qui? Olivier Taïeb, un ami. D'accord. Oui, on travaille pas avec des gens qu'on n'aime pas, nous. Ouais. Oui, y a pas de truc qu'on a fait avec des gens qu'on supporte pas. Ah, je vous invite à découvrir le reportage, il est vraiment top. C'est les dessous de Palm Beach. Exactement, c'est un film sur l'enregistrement de l'album. Palm Saint-Ouen. Voilà. Ben, messieurs. On y va, là ou quoi? Ben, ouais, je vous remercie déjà. On vous dit bon concert, kiffez bien. Ouais. Partagez, likez, suivez ces trois garnements. On espère que vous allez passer un bon moment. Ben, nous aussi, on espère, parce que quand on passe un mauvais moment, ça se passe pas très bien. Ouais, tu vas me casser la gueule. Après, non, pas du tout. C'est nous, on est mal dans notre peau après. Allez, salut, bonne soirée. Salut. Quatre, trois,
incroyable comme un pavé dans la gueule d'un flic, ou alors baisse la tête, t'auras l'air d'un coureur, ou alors encore monte là-dessus, tu verras Montmartre, ou alors baisse la tête, t'auras l'air d'un coureur, monte là-dessus, tu verras Montmartre. On n'a plus
Je chantais qu'il était pas content, le mec chantait que...
producteur me dit, enfin mon producteur, celui qui produit les tournées que j'ai la chance de faire. Alors il s'approche de moi et puis on parlait comme ça, on parlait. Tous les deux. Et puis il me dit, vu la courbe descendante de la fréquentation de tes salles. Alors il me dit ça. Il me dit, vu la courbe descendante de la fréquentation de tes salles. C'est la deuxième fois où j'ai été vexé. Après, elle me dit, c'est quoi ton prénom? Enfin, tes prénoms. Alors, je m'appelle Stéphane, Henri, Charles. Et puis, elle me dit, dans quelle classe? Alors, j'étais en 6ème 2. Après, elle me dit, nationalité. Alors, moi, j'ai dit, français. The. Alors, elle lit mon nom et puis elle fait, t'es italien. Alors, je deviens tout rouge très très vite, en une seconde. J'avais 11 ans en 6ème. Et puis, elle me dit, Tu t'es pas français parce que regarde, tu t'appelles San Severino, t'es italien. Et moi, ça commençait à me vexer qu'on me dise que j'étais pas français. J'étais con, hein, bien sûr. J'aurais pu dire mais putain, mais ta gueule, mais je t'emmerde avec tes nationalités. J'aurais pu dire ça, mais non, j'étais sérieusement atteint dans toute ma sensibilité. Alors elle me dit non, t'es italien. Alors je raille français, je mets italien. Mais moi, ça me vexait à mort. Et
Mais j'avais que 11 ans, mais je pouvais rien lui dire d'autre. Maintenant, on me dirait ça, je m'en foutrais, je dirais « Ouais, écris italien si tu veux, qu'est-ce que j'en ai à foutre ?» Mais... à l'époque, ça m'avait touché. Enfin, ça m'avait plus que touché, ça m'avait vexé. Je suis reparti les yeux tout mouillés, tout trempés. J'étais tout rouge. Je devais avoir un espèce de maillot Adidas ou un truc comme ça capitaliste. Ou peut-être un t-shirt Joe Cocker. Ce que je sais, moi. Dans mon ventre, ça faisait ce bruit-là. J'étais au bord de chier. Ça faisait des trucs comme ça. Ouais. Ça faisait des trucs comme ça dans mon ventre. Ça faisait des espèces de gargouillis, mais il y avait rien qui sortait. C'était tout était à l'intérieur. Alors je suis ressorti du bureau. En me disant, je suis italien, qu'est-ce que tu veux? Alors, il y a deux, trois questions qui nous sont posées sur dans l'ordinateur. Est-ce qu'on... L'ordinateur, ici, l'ordinateur. Ouais, ah oui. L'ordinateur est content. L'ordinateur se demande s'il y a un disque. Oui. Où? Alors, je dirais, la première réponse est dans son cul, évidemment. Mais il y a un vrai disque qui est en train de se faire construire, parce que fabriquer un vinyle, tu crois que tu envoies une boule de cire dans un magnétophone et ça fait des vinyles. Et en fait, ça prend un temps de dingue. Donc il y a une équipe là, qui est avec nous, une nouvelle équipe, une nouvelle production qui est en train de nous faire fabriquer ce vinyle, qui va sortir un de ces jours.
C'est-à-dire, je pense avant l'été. Donc c'est enregistré, c'est à la fabrication. Ouais, c'est déjà enregistré, c'est déjà mixé, c'est déjà masteringisé. On a fait la pochette avant d'enregistrer, carrément. C'est bien. Donc, pour te dire qu'on est sérieux. Est-ce que là, on enchaîne ? Vous pouvez, si vous avez envie de jouer. Oh, mais nous, on a hyper envie. Les chansons qu'on a faites là, la première elle s'appelait Roger Fritz dit Schultz. La deuxième elle s'appelait Les trois fois où j'ai été vexé dans ma vie. En fait, j'ai été vexé beaucoup plus que trois fois parce que j'ai été vexé quatre. On va brièvement vous faire la quatrième. Non, je peux pas la dire, je préfère faire une autre chanson. L'autre chanson elle s'appelle. Vous aimez les nains et les clowns ? Ma femme est sortie,
leur a dit est-ce que vous voulez boire autre chose que de votre bière chaude et votre vin blanc hyper chaud, et le mec comme ça drapé dans sa fierté l'a pas répondu. Et puis il s'est retourné vers elle et il lui a dit: est-ce que vous aimez les nains et les clowns? Parce qu'il était en train de dessiner une espèce de fresque. Une espèce de fresque dont le thème était les arts du cirque. Alors, il y avait des choses splendides et tout. Et puis devant chez nous, on aurait dit qu'ils avaient peint avec de la merde et avec du vert et du marron mélangé. Et la première chose qu'on voyait quand on ouvrait notre fenêtre, c'était ça. Alors, on se rappelait du mec qui nous avait dit: vous aimez les nains et les clowns? Et nous, on n'a rien osé dire, on voulait pas faire de discrimination artistique. Jacob, à un moment, il y a Henri Guibet qui est plutôt assez jeune dans Rabbi Jacob. Il est en début de carrière ou alors au milieu, et puis
Il est tout jeune, Henri Guibet, et alors, on le voit, à un moment, il est... j'ai l'impression que c'est tourné rue des Rosiers, et dans Rabbi Jacob, ils font une espèce de danse que j'ai du mal à imiter. Parce que c'est pas n'importe quoi.
à l'école.